Salut à tous, c'est Cyanure et bienvenue dans de nouveaux épisodes de Max Payne, l'épisode 11 il me semble, donc ouais, voilà, c'est le 11. Je vais éviter de vous donner des informations sur combien d'épisodes il va y avoir, puisque, eh bien justement, parlons de l'épisode précédent, quelle surprise! Enfin même les tournages précédents. Donc on a commencé, alors déjà j'ai refait la mission où la nana se fait enlever, ah machin, truc... Rodrigo, c'est bien son nom ça, Rodrigo. Ouais, Rodrigo revenait. Enfin, on allait chez Rodrigo dans son QG, dans son bureau de son entreprise, où il nous disait qu'on avait complètement merdé. On lui disait de pas s'inquiéter. À cette occasion, on voyait, on entendait parler d'un certain Da Silva et de Baker, et on voyait Baker qui est donc le chef de l'UFE qui nous insultait allègrement, ce qui est très sympathique. Et donc Rodrigo nous dit qu'il a merdé, que c'est une grosse merde et tout machin, que c'est qu'un mec friqué dans un pays de riches. On lui dit que quand même c'est quand même un homme droit au moins et plutôt honnête, même si apparemment il est trompé dans des trucs pas très clairs. Enfin bon, là-dessus les paramilitaires qui nous ont fait chier notamment au stade attaquent le QG, font un massacre. On arrive à les arrêter, mais malheureusement, quand on rentre dans le bureau de Rodrigo, qui aurait dû être normalement en sécurité, ce con est mort, abattu une balle dans la tête. Donc, apparemment par les paramilitaires. Sur ce, le bâtiment explose. Max arrive à s'en sortir dans un bordel monstrueux. Et on se rend compte que les paramilitaires, en fait, cherchaient à tuer Max et non Rodrigo. Donc, est-ce que c'est vraiment eux qui ont tué Rodrigo, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce que c'est eux qui ont fait péter le bâtiment, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Enfin, bref, c'était la merde. Là-dessus, Max pète un câble total, décide de ne plus boire et se rase les cheveux et devient un chauve avec une chemise à la joueur du grenier. Débarque dans les favelas, genre je vais sauver Fabiana et tout. Il arrive dans la maison de Serrano, qui est donc le chef du gang, pas des paramilitaires, du gang. Et là-dessus, il se rend compte qu'il y a Fabiana, heureusement. Serrano, forcément. Et plus étonnamment, et je peux continuer, j'ai plein d'adverbes en réserve. La sœur de Fabiana, je ne sais plus comment elle s'appelle, et Marcello, le troisième frère, le frère de Rodrigo et de Victor, qui en fait sont venus pour payer la rançon, sauf que comme des cons, ils sont en train de se retrouver et d'être pris en otage. Et là, moment très important dans le jeu, Max débarque. Ouais, arrête mec, Serrano, t'es une grosse merde. Serrano fait, ben je tue la sœur. Et tu fais, non, pas la sœur. Et il fait, ok, et il abat Fabiana. Et donc Fabiana, voilà, est morte d'une grosse balle dans sa gueule. Donc c'est un échec, Rodrigo est mort, Fabiana est morte, Marcello et la sœur sont en train d'être emmenés par Serrano, j'ai pas coup, on sait pas trop où. Ça a l'air d'être l'apocalypse dans les favelas, apparemment il y a des hélicos qui passent, qui commencent à bombarder la zone, c'est le bordel. Et là-dessus, le jeu est très bien fait puisqu'il nous renvoie dans un flashback, donc la suite. Alors je vous cache cette partie de l'écran parce que je ne veux pas que vous soyez au courant des chapitres et tout. Mais en gros, ah bah voilà, on va pouvoir revoir la scène, le what the fuck, le plus total, et donc le jeu va nous ramener dans le passé pour continuer l'histoire. Je vous rappelle que Max a tué le fils d'un mafieux, et se retrouve poursuivi par ce mafieux. Non, ne la tue pas, non. Ce ok est trop pervers, quoi. Hop, il explose le genou de Marcello. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, ben, c'est la gare. Et puis, voilà. La sœur vient de voir sa sœur se faire exploser la cervelle, quand même. Voilà, on s'est arrêté là. Donc Max est dans une situation très compliquée. Et c'est l'échec le plus total. Et retour dans le passé. Donc on vient de tuer le fils du mafieux, on est poursuivi, on doit fuir la ville avec l'aide de Passos. Qui nous a retrouvés un peu par hasard. Et voilà la tombe de la famille Max. I still hadn't really forgiven myself for the Mona business. Mona, c'est une personnage de deux, faites attention. The insanity that comes with losing the life you had built. Michelle, I missed her with every part of my being. Son gamin est même mort, il est même pas mal, non. Killing me with her, and I hated myself for allowing this to happen to her and our little girl. But I knew I had to leave town. Oh, excuse me, Max Payne. Somehow I didn't think he was about to tell me I'd won the lottery. Putain les mecs, vous avez pas de respect. Wow, c'est la tombe de ma famille, bâtard, bâtard. Bâtard. Ok, l'Italie m'attaque. Holy shit. Ah putain, y'a un flingue. Donne-moi ton flingue, connard.
Ok, donc on est à New York, dans le cimetière où sont enterrés la fille et la femme de Max Payne. Sauf qu'apparemment, les Italiens, eux, n'ont pas d'état d'âme. Enfin, en même temps, on a battu le fils comme grosse merde. Mais bon, eux, ça les gêne pas. Ils veulent nous faire la peau. Et pas de bol pour eux, je suis très bon à distance. Et j'ai un pistolet, ce qui fait extrêmement mal. En fait, c'est surtout que j'ai le temps de les shooter avant que les balles arrivent. Oh merde, oh bah ça c'est un peu bad move. Ah oui, maintenant il veut protéger Passos, Max. Parce que Max, son activité favorite apparemment c'est de protéger les gens. Ça marche pas top, hein. Genre sa femme, sa fille dead, Rodrigo dead, Fabiana dead. J'aime beaucoup cette séquence parce que on vient de voir Fabiana se faire exploser la cervelle et le jeu ne s'intéresse pas du tout à ça. Il nous fait, au fait, tu te rappelles de Max qui était dans la merde? Oh, ça calme. I knew I shouldn't have gone there, and that Passos might have to pay the price for my sentimentality. Sorry, you just had to say goodbye. You okay? I will be once we get out of here. I get the feeling those weren't the only guys Marcus sent after. Tiens, regardez qui voilà. That feeling too. Oh, un camion. Elle va faire mal celle-là. Oh! Oh! Ah bon, on reviendra pas en arrière. Bien joué, Rockstar. Mais piégé. I started to wonder if my luck was about to run out when I realized it had a long time ago. Non, la chance a pas quitté Max. Elle a l'air, hein? Franchement. What the? Le mec a un lance-grenade! Bah non, on pourra pas identifier le cadavre si tu utilises un lance-grenade. On est dans un cimetière, les mecs, calmos. Lui il faut absolument. Voilà, comme ceci. Encore j'ai été plus fort parce que normalement j'arrive à battre tout le mec. Il y a une grenade. Elle est morte. Mais tu vas pas te faire exploser en morceaux, Passos. J'ai pris une seule balle depuis le début. Ils sont où, Passos? Ah putain, petit coup de ressort. Ok. Qui tire? C'est... Bon, putain, le... Comment ça s'appelle? Le croque... Putain, attendez, j'ai une tête de merde. Enfin bref, le mec qui gère cet endroit, il va se retrouver avec plus de cadavres demain. Attendez. Fuck les flingues, on prend deux usines. Mais non! D'ailleurs, tu prends le flingue, Max, et tu le jettes par terre. Ah non, il n'y avait qu'un usine, d'accord. Ah ouais, mais sinon, on peut prendre autre chose, je suis con. Yeah! Alors, ça, c'est super dangereux parce que c'est l'arme à faire des soucis. Wow! Notamment là. Vite avant de te taper le mur, Max. Oh, bien joué! C'est l'arme à faire des suicides, donc faut éviter de tirer trop près de soi. Ah, oh, oh. Oh, bah. Ah oui, il y a ça aussi, ça le touchera jamais. Voilà, je suis mort. C'est l'arme à crever ce truc. C'est super puissant, mais c'est l'arme à se faire massacrer. Donc on va peut-être pas la prendre. Peut-être que ça. Ah oui, merde, il y a l'autre au-dessus. Il en fait tomber sur ses potes. Ah, attention, ma sauce là-bas. C'est bon, je l'ai. Il y a l'autre qui est là. Oh, joli. Alors, l'arme à faire des suicides, je ne l'aime pas. Bon, fais gaffe, on va faire gaffe. Je sais qu'il y a un petit con qui vient par là. Cette séquence c'est pas facile, hein. Je suis mort un paquet de fois. Oula, oula. Faut pas qu'il y ait ce connard qui débarque de là. Putain, mais! Et voilà, je suis mort. Et oh là là, bah là ça fait mal. Oups. Ça a dû faire ultra mal. Bon, les autres, je sais pas trop où ils sont alors. Oh! Ça marche pas. Je hais cet écran. Ce petit escalier de merde là qui mène sur un massacre. Vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où, putain, vous êtes où.
Ok. Oh, d'accord, t'étais bien caché. Toi. Ah, c'est pas toi que j'attendais. C'était toi. Dis-moi qu'ils sont tous morts. Putain, non. Oh, bien tiré là. Oh. Ouf. Alors, attendez, ici il y a qui tu sais. I guess they helped with the grief. Lance-grenade, je sais pas s'il a tué. Ah, il a peut-être tué eux. Je sais pas trop. Lance-grenade, c'est vraiment peu précis. J'aimerais éviter de l'utiliser. Hey, come on. Hey, wake up. Let's go. Tant mieux, je l'ai vidé. 100 000 $ sur ma tête. The troops had arrived. Either DeMarco had thrown an army at this job, or he'd put a high enough bounty on our heads to attract every contract buying scumbag and the Eastern Seaboard. On dirait Batman Origins. Yeah, yeah, but how are we gonna know who asked for it? Huh? I got hollow points. Look, we all got hollow points. Look. On partagera la prime équitablement. Je sais pas si ces gens ils sont de confiance. Ils sont beaucoup. Bah, Passos, qu'est-ce que tu prends? We'll work it out together. Okay? Les mecs s'engueulent. Ta gueule. Hey les mecs, je vous gêne. D'accord, en fait il faisait juste diversion. Une magnifique diversion. Parce que la magnifique... Oh, oh non. Non. Ouh. Passos had put some distance between himself and the group. Donnez-moi votre fusil à pompe. Magnifique. Je sais pas combien d'hommes j'ai tué, mais beaucoup. Ah, la cible c'est Max Payne. Je vous attendais. Hein. La porte elle s'ouvre pas toute seule. Bah, c'est ça, bah venez. Vous êtes temps. Vous êtes temps. Bah venez. Allez, venez. Là, nous l'attend. En fait, c'est surtout que si je chante là-dedans, j'en meurs. Salut. Hop, Edgewatch. Il fait coucou. Ah, il a mal au crâne. Putain, il tire mal ce garçon. Et voilà, il s'est pété le crâne sur la rambarde. On va juste prendre un pistolet. Alors ici, je sais plus où autour de son. Je crois qu'il y avait une arme or à l'époque, quand je devais essayer de finir le jeu à 100%. Ah là, il y a un medic. Deux. I didn't mind saying goodbye to this place whacked out on meds. Alors ici, je vous le montre, tiens, avec le menu pause. Non, ah, pourquoi j'en ai mangé un, c'est pas grave. J'ai pas... C'est ça le menu pause. Ah oui, il y a trois tombes qu'on peut trouver qui sont en rapport apparemment avec les trois jeux, mais vu que j'ai fait que le 1 et lu le résumé du 2, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je comme ça pour l'information. Oh, oh. Mais arrêtez, c'est toi Max Payne. Qui? Ouais, c'est moi. Bah non, regarde. Confusing, hein? Hey, you make one more move, and this guy, whoever the fuck he is gonna get fucking dead. Look, man, give yourself up, and DeMarco might have a change of conscience, huh? I grant you one last reprieve. Ain't no reprieve gonna be found otherwise. I don't even know who he is. This guy's luck is running out. Ta gueule! Oh, cette phrase a du sens. Ah, c'est la guerre! Attendez, j'ai ramené un pont, je sais pas pour rien. Et là. Et deux. Et trois. Et. J'ai la tête quelque part, voilà. Ah merde, il y en a de l'autre côté maintenant. Ok, demi-tour. C'est semi rolling. Max Payne est un génie, quoi. Oh, sale. C'est le moment où tu bondis, Max. Tu bondis. Ah merde, il en reste là-bas.
Seconde recharge. La sauce. Où ils sont? Passons, se tire sur quelque chose. Enfin voilà, là c'est la tombe de. Je sais plus qui. Passons, bordel de merde, tu m'aides pas. Voilà, putain. Ouais, ouais, bah moi je te revaudrais pas ça par contre, hein, putain, quelle aide. Y'a pas des trucs marrants à lire sur les tombes? Non, là c'est écrit bizarrement. En fait, c'est illisible de toute façon. Bon, on va où, Passos? Je passe au-dessus de ça. Oh, fuck. Putain de mur invisible à la con, quoi. Le point, ça sera mieux. Holy shit! What the hell is going on here? Don't worry about it. Just get out of here. Ah bah c'est lui qui gère le truc. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Il y a plein de cadavres, mais c'est pas très grave. Ah non, c'est l'entretien, c'est pas celui qui gère. Must have been wondering why there were suddenly more bodies above ground than below. What? Ouais. Eh les mecs, vous êtes pas obligés d'abattre les innocents, quoi. All I can hope for is that he didn't even hear the shot that killed him. Putain, le pauvre mec. Get down. Shot came from the top of the mausoleum, up in the tower. This is the only way. Alors là, c'est un espèce de combat de mini boss, en quelque sorte. C'est assez basique. C'est you run. Ouais, je disais you run, hein, c'est du verbe run, hein. Mais s'il pouvait ne pas me regarder, ce serait super cool. Une balle, je meurs. Hein. C'est assez basique. Allez, là va falloir faire un truc assez fabuleux que j'ai jamais fait auparavant. Quoi son nom hein. Salut. Ça va. Bah, par contre, faut faire vite parce que sinon il atomise pas sur saut. Yo. YOLO. Wow. C'est passé pas loin. Si je tire comme ça, normalement, je vais pouvoir les abattre. Tes potes roulent dans l'escalier là. Petit à petit, mais. Pff, comment il peut faire des headshots, Max, alors qu'il tire. Hey, il y a une fenêtre ouverte à gauche. C'est dingue, c'est pas la gueule. J'y roule encore, c'est pas drôle. Oui, bah oui, bah tire-le ce con. I see you. Yeah. Ça fait 20-0 pour la mafia. Pour nous en fait. Enfin, 0 pour eux. Enfin, écoutez, c'est pas vrai. Oh putain, on a repeint l'escalier. Oula. Là, mais les mecs, regardez devant vous. We've come in here to hide, not very successfully as things turned out. Freeze! Wow. M'abattez pas! As opposed to what? Disco dance? Shut the fuck up, half-cat! Il est énorme le passif. Bon, ça valait le coup d'abattre 30 de leurs potes, quoi. Turn around! Turn around! Move! Move! Ok, qu'est-ce qu'ils foutent? Y'a pas 100 000 si vous m'abattez, alors faites ça vite, quoi, monsieur. Qu'on en finisse. Ah bah non, merde, y a l'histoire de Max Payne 3, donc il va forcément survivre. Je suis con. Hold it. À moins que ça soit un univers alternatif. Oui, bah ok. Putain, on va pas y passer la journée, quoi, juste pour nous prendre un otage. Ah putain, je... Oh non, pas lui. Oh non, pas ça. You killed my son. You killed my fucking son.
My boy. My only son. Listen, I'm sorry. Fuck you! Sorry for your loss. Au moins, il est poli. But your son was killed in gun battle. A battle he started. Shut your fucking mouth! Shut up! Shut up! Ça va, le vieux, calme-toi. Attention, il a une pelle! Il est fou. Fuck you! You killed my son! You fucking spick! Wow! Calme-toi, le vieux, oh! You killed my son! Oui, bah maintenant, j'ai compris. Now! Ah, super! C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible parce que c'est un connard, mais le vieux... Enfin, c'est horrible, quoi. Admit, c'est ce qu'il doit vivre. Ça, c'est qu'un jeu, mais... Mais... Sure, he'd lived a bad life. But I, of all people, knew that living with this grief would be payment enough for any sins. Oui, ouais, c'est ce que still, dit Max, perhaps c'est not c'est so bad that terrible. I was prepared to dig my own grave connu, and let these Goombas kill me without even mais... getting some dirt on their hands. Je préfère vivre. Your body ain't gonna bury itself. Dig, motherfucker! Okay. I didn't want to tell the guy there were 45 other bodies in the cemetery that weren't receiving their Christian rites. Bon, I figured the Gravedigger Act would buy us some time. Alors, il me faut une idée. I'm getting tired just watching you. Eh ben, regarde ça alors, connard. Comment je m'appelle? Meurs. Wow, Passos, c'est mal. Ça va, Passos? You alright? Yeah, I'm fine. T'as pas de trauma crânien? Non? Bon, très bien, alors on va leur battre le cul maintenant. Bon, on a fait mumuse avec la pelle, c'était marrant. Bienvenue. Ah, une tombe importante. Bon. Ah, qui m'a insulté? Wow, wow, wow. Ok, d'accord, il y en a plein. Ah, merde, il y en a plein et là ils ont disparu. Ah non, ils sont là-bas. Aïe. Ah, une... Tu vas voir ta jambe. Ah, ton visage! Ah merde, je suis tombé aussi. Ici, il y a un Medicolt. Bon, bon alors je vais lâcher cette arme de merde parce qu'au final, il y a plus de balles. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Merci, Passos, encore une fois, t'étais une grande aide. Morgue! Ah, délicieux endroit, ouais. How appropriate. Ouais, comme il dit, ça tombait bien. Ouvert quoi. Je sais pas s'ils m'ont remarqué un peu. Ah, il vient lui, on va lui faire une surprise. Surprise! Pas mort? Tu vas voir tes poules! Ah! Non! Oh! Fuck! Connard! Ça va, t'as pas trop mal aux boules? Oh! Oh bah lui, par contre, il doit avoir mal aux boules! Wow, pourquoi ma vue est comme ça? Ok, d'accord, pour bug. These hitmen getting to you? Keep it together! Plots here weren't cheap. I'd take a freebie. Bon ben on rentre dans la chapelle, faut croire. Hey, psst, this way. Up there. Oh, il a complètement mal au crâne. Go, 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 allez, go, 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 on va prier un peu. You go first. J'espère que le prêtre. Oh, gentlemen, thank you. J'adore les dialogues entre les deux. Ils sont assez énormes. Alors, eh, ouais, bah, putain, ça va, ici, c'est cool. At least the coroner won't have to go far to go to work. Sympa la chapelle, like I said, wow. Passos always had a good sense of humor. We gotta find a phone. I got a connection in Queens who can help us. Ah. Huh. All right. Spread out and clear every room before you move on. We don't want to miss these. Bon ben. Our bon, SOS. Tu fais le prêtre, je fais le mec à l'orgue. Ah non. You in my sights! Fucking shoot!
quelques passos. Here we go! Ah fuck, je pensais avoir le temps. Oh, il ressemble au vieux. C'est pas lui. Oh, lui, c'est un espèce de. Ouh, j'ai des super pouvoirs. Quand on me vise, je me cache. C'est pas grave, il est con. Il est con parce qu'il veut absolument se faire le métèque. Et il a un super fusil à pompe. Et eux, ils sont définitivement trop cons. Vite. Voilà. Ça c'est de la grosse arme. Yeah. Albus, c'était trouver un téléphone. Bah putain, on est pas des champions hein. Putain mais les mecs, aucun, il y en a aucun qui a un portable. C'est incroyable. Le jeu se passe dans les années 2000, c'est pas possible pour qu'il y en ait pas un qui a un portable. Encore 2000 1990. Pourtant non, parce que sa fille est morte en 98 donc. Donc en fait ça n'a pas de sens. Regardez, encore un téléphone avec fil et tout, ça se sent quelle année je joue. Bah bon, ça existe encore, hein, que le con soit. Quand on est dans une église, on parle de ce qui est pas moderne, mais bon. Il faut vraiment qu'on se barre. Retour dans le présent. Je vous rappelle que Fabiana vient de se faire être fou.